qui souvenir vous avez de Silvio Cotoni qui est mort hier? Silvio qui tient une étage de vous? Moi, je suis un sagrin qui est Cotoni. C'est qui connaît, connaît. Je ne suis pas au courant. Moi, je connais la santé, pas bon. Je suis content, je suis rush fier, je suis dans la clinique pour une nuit. Je connais l'hyperalisme. Mais mon collègue, ça me fait beaucoup de bien. Moi, nous sommes ligués. Nous faisons tout le nécessaire. Nous rentrons sur la case dans l'après-midi. Nous allons tranquille, Jérémy. Et mon sagrin, à cause de conférence de presse, c'est vraiment capable. Mais ce matin, il passe à la veillée mortuaire, etc. Mais c'était un bouc extraordinaire. Il y en a deux comme ça. Il y en a Farid Mata avec lui, qui est un physique, mais un peu aussi. Hein. Un intellectuel, un bon comme Farid Mata, c'est dans le comité central même. Silvio Cotoyé, Silvio Debilal alias Cotoyé. Mais tiens le plaisir de discuter en ligne, tiens intellectuel, parce que c'est un costaud. Et jamais, lis-moi, jamais nous faire dominer avec quelqu'un, jamais. Ça va nous bien manger aux autres places à l'époque là, une partie de la droite qui a pu petite propriété tel parti politique. Tu peux tout le monde poignard, badin, Raja Badin, poignardier, gros ciseaux. Mais tu peux comme ça. Il n'y a rien resté. Moi, je connais beaucoup de monde qui était en courage. Mais pour y avoir sa courage, qui fait une matin, côtoyer, tu es là. Il y a encore un vivant. Mais extraordinaire. Et en même temps, tu vas être intellectuel. Un costaud, moi pas costaud, mais moi je suis ensemble, je suis bizarrement. Ça va nous dominer. C'est extraordinaire ça, c'est un intellectuel. Et moi je connais une femme des couillons, on peut battre du sous-là. Il descend, il faut être rappelé. Parce que là, ça est là. Son camarade, hein? C'est des son camarade ça. Un peu sous-là, il devait être insignifiant, c'est parti, ça est là, fait rappeler. Il descend, il faut être rappelé. Et il dit attends, il dominera un petit peu. Limon Linal, il est allé 74 ans. Hein. Et ça aussi. Hein. Et c'est. Il y a trois divans dans mon loto. Ça joue quand il y a une municipalité qui a pipe. Et quand vous réfléchissez ça, c'est extraordinaire. Qui nous peut faire? Nous ne peut attendre une municipalité qui a pipe. Qui nous peut attendre un autre loto vini pour nous faire ce temple, la fils par le collet. Quand on calcule ça, et que ça va ne pas gagner qui l'est là. Tellement nous t'y légalisons ça. Nous t'y connaissons dans la mode, dans sa municipalité là, nous t'y connaissons dans les armes, dans les revolvers, dans la fusil, dans sa municipalité qui est pipe là. Malgré ça, nous t'y pourrons dans sa municipalité là, faire ce temps que nous la fils à le coller. Nous t'y peux attendre, moi. Et ça ne veut pas faire ça si je ne pas te faire une bataille avant. Farid t'y finit beau. Moi, Cotoyé, Saïd Bangou, avec un quatrième qui est encore vivant, on va vous dire ce nom. Mais je suis sous le divan de l'Uniné, je suis allé dans le Rodzom, si tu es appelé, mon connexion est dans le Rodzom, tu es venu, 4 molotos, puis ou pas, ou pas, ou pas. On va le payer, on nous prend une précaution pour nous pas. Pour nous pas laisser la vie là-dedans, mais quand tu es là, tu es une barre courageuse. Extraordinaire. Et franchement, il décide à mon équerre qu'il nous paye à Didimoun pour libérer sa criapipla. Mais une soi-disant libérateur, il remet ça à la ville là, dans la même partie. Mais là, l'histoire qui disait ça.